à toi de jouer. Eh bien salut les amis, c'est votre pote Genji, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Nous sommes sur le menu principal de Yu-Gi-Oh, le jeu vidéo du coup. Je vais pas aller en mode campagne simplement parce que là à l'heure où je tourne il est 20h47 et à 21h j'ai le match de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions qui va débuter du coup. Voilà, c'est pour ça que je fais une vidéo assez rapide, j'avais envie de faire une vidéo quand même, du coup voilà, je fais celle-là, j'en ai fait une autre juste avant aussi sur FIFA, enfin bref voilà, peu importe, j'avais envie de vous tourner cette vidéo Yu-Gi-Oh, du coup c'est pas grave, magasin de cartes, on va faire un petit pack opening. On avait fait le pack opening avec les cartes du grand-père, un avec My Valentine, d'ailleurs je les ai pas tous du coup, il y a de grandes chances qu'un peu plus tard je refasse des packs opening avec ces deux-là. Là, on va faire un pack opening avec Bakura. Du coup, comme j'ai fait sur les deux précédents, je vais ouvrir 10 packs. Alors, si j'en ouvre 9, si j'en ouvre 11, si je compte mal, je suis désolé. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai mis 10 packs. C'est histoire de me mettre une limite, entre guillemets. En tout cas, voilà, Bakura, c'est 400 le pack. Après, ça, on s'en fout. Ça se gagne en faisant des matchs. Du coup, premier booster de Bakura. Alors, je sais pas si c'est des boosters à thème ou pas du tout. Si juste des cartes comme ça. En tout cas voilà le premier petit pack, du coup c'est sympa parce qu'il y a énormément de cartes que je connais pas, tout ça je connais pas. Du coup ça va être des cartes qu'il va falloir que, bah tout simplement que je lise plus, plus... Ah ok, je connaissais pas du tout cette carte. Ouais, je lirai tout ça on va dire un peu plus, comment on dit? Même si là tu as le mot, je t'entends pas mec, du coup c'est un peu casse-couille, mais ouais en tout cas voilà. Je lirai ça de mon côté et j'essaierai de comprendre un peu mieux. Les cartes que je gagne, surtout toi ce genre de cartes je connais pas du tout, du coup voilà, il y a pas mal de cartes là que je ne connais pas, du coup bah c'est super. Parce que si en plus de faire un pack opening je peux découvrir des nouvelles cartes, hein, moi comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, je me suis arrêté aux épisodes de Yu-Gi-Oh de la première série quoi, Yu-Gi-Oh 1. Du coup j'ai pas connu tout ça, là les Archdémons, je crois que j'y avais même pas. Il y avait pas mal d'Archdémons d'ailleurs, Archdémons, je sais pas comment on dit ça. Moi je dis Archdémon, je sais pas. Ok, ça c'est cool. Pas mal de trucs. Putain, la Morphojar, ça, je me souviens de cette carte-là. Je l'ai trouvé tellement nul avant, et quand j'ai vu son effet en grandissant, c'est tellement cheaté. Ok, des nouvelles cartes. Pas mal de nouvelles cartes, quand même. Mizuki, lui, c'est pas la première fois que je l'ai. Les trucs de type zombie, les monstres zombies, ok. Si vous contrôlez cette carte en position d'attaque face recto lorsqu'un monstre déclare une attaque, affiche 500 points de dégâts à votre adversaire. Ok, c'est des petites cartes comme ça, avec des effets. Ça, c'est pas mal. L'œil de la damnation, je l'ai utilisé sur mon deck de type... Vampire, c'est des decks qui sont en construction là, vous les verrez plus tard. Ok, là toi pas mal de cartes encore, je connais pas. Mars, agent de la lune, celle-là je la connais. Mangeur d'air, ça c'est vu, je connais. C'est quoi ça? Taprix Atrax. Un insecte effet, cette carte n'est pas affectée par les effets de cartes normales, trappe, troublant, inclus, chaste, ok. Ah carrément, ils ont des noms. C'est cool, un insecte 1800 avec 4 étoiles, moi franchement ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça peut bien renforcer mon deck insecte, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pour les decks zombies, masque du titan c'est pas mal. Une fois par tour vous pouvez tirer du monstre, vous pouvez retirer un monstre agent dans votre cimetière. C'est quoi ça, Jupiter agent du... Ah d'accord, ok, c'est un... Ah je le connaissais pas celui-là toi. Ok. 1800 points d'attaque avec 4 étoiles, ok c'est cool. C'est cool, là je suis un dieu au 5ème, je crois que je suis au 5ème. Si je me trompe, je suis désolé. Là ils m'ont mis quelques créatures que j'ai déjà, c'est quoi ça? Un pharaoïde d'entra, je connais pas du tout. Infâme mangeur, archdémon dans la famille. Waouh. Ok, connais pas. Connais pas toutes ces cartes pièges, les cartes magiques et tout ça, je regarderai ça, on va dire, un peu plus
d'un œil avisé hors vidéo. Parce que voilà, on va perdre trop de temps si on lit chaque carte. Surtout, comme je l'ai dit, je ne connais pas beaucoup les cartes. Ok, je connais pas. En tout cas, si vous détectez une carte ouf ou super forte, par contre, des archdémons, là, c'est pas mal, j'en ai pas mal. Unité de gobelins de pillage, 1900 points d'attaque. Lorsque cette carte déclare une attaque, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet. Si cette carte attaque à la fin du battle phase, elle change en position de défense. Putain, mais les troupes de gobelins, c'est souvent ça. Ils sont souvent à la fin de l'attaque, ils passent en défense. Hein. Du coup, là, je suis rendu à 5, 6, 7. Ouais, je dois être au 7ème là. Je dois être au 7ème. Ah, le roi des fantômes, je me souviens de cette carte. Archdémon soldat, c'est pas mal ça. Roi des fantômes, tant que château des illusions reste face au soldat, augmenter l'attaque à la défense de cette carte de 100 points d'attaque. Le château des illusions, je sais même plus c'est quoi cette carte. Mais je me souviens, elle était trop forte cette carte à l'époque. Moi j'adorais l'utiliser. Alors qu'elle est toute pétée. Hein. Mais bon, moi je la trouvais trop forte à l'époque. Du coup, voilà, c'est ça. Quand t'es petit, t'as pas les mêmes. La même vue. En plus, maintenant, avec toutes les cartes qu'ils ont fait, du coup, tellement de cartes plus fortes. Alors que du retard. Cette carte ne peut pas attaquer le tour, elle est invoquée normalement. 2200 points d'attaque. Ça, c'est super fort ça. C'est juste ça. Quand elle est invoquée normalement, elle peut pas attaquer au premier tour. Mais en vrai, le deuxième tour, c'est super fort ça, alors que du 2. C'est vraiment très très fort, hein. Ouais. Le dernier pack, celui-là. Allez, roulement de tambour. Le dernier pack, un insecte. Moi, je prends insecte. Le seigneur immortel. Un zombie. Cette carte ne peut être invoquée spécialement. Vous pouvez sacrifier cette carte en ajoutant un monde zombie depuis votre cimetière à votre main. Ah, cette carte peut être invoquée spécialement. Vous pouvez sacrifier cette carte en ajoutant. Ah, je peux la sacrifier en ajoutant un monde. Ah, si je la sacrifie, je rajoute un monde zombie depuis mon cimetière à ma main. Oh, pas mal. Franchement, pas mal. Après, pourquoi sacrifier 1800 points d'attaque? Moi, à l'époque, 1800 points d'attaque, c'était super fort à 4 étoiles. Aujourd'hui, tu as tellement des monstres de ouf. Pas mal d'archdémon. Eh, franchement, archdémon, je sais jamais comment ça se dit. Énormément de cartes sur ce thème, en tout cas zombie tout ça là. J'ai eu pas mal de nouveautés, je vais peut-être pouvoir me faire un bon petit deck zombie on va dire. En tout cas voilà pour ce pack opening sur Bakura, j'espère que en tout cas vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à me dire en espace commentaire les cartes que vraiment très très fortes que j'aurais zappé. Franchement il y en a plein à découvrir là, du coup je vais aller refaire un tri de tout ça hors vidéo. Je vais aller un peu inspecter chaque carte que je viens de débloquer. Et puis voilà, en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez quand même kiffé ce petit pack opening. Encore désolé, hein, la suite de la campagne va très très vite arriver, va bientôt arriver, il n'y a pas de souci, on va continuer. Je crois que notre prochain duel sera contre Rex, du coup voilà, ça va être avec des dinosaures, ça va être sympa. On va continuer ça tranquillement, et on peut voir, de toute façon, il y a encore quelques packs opening avant que je termine cette liste de packs qu'on me propose. Du coup voilà, il y en aura encore 3. Et si je termine la campagne, pourquoi pas en refaire de temps en temps, on va dire, histoire de faire un petit break. Et puis voilà, en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez aimé. On se retrouve très très prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'était votre pote Gengis. À la prochaine, portez-vous bien. Bye tout le monde. We're on easy street. And it feels so sweet. Cause the world is but a treat.